Les matins de mon enfance, je ne les ai pas tous oubliés. C'était comme un tremblement timide qui enchantait mon réveil à la belle saison, en colorant la chambre de teintes subtiles, du vert tendre à l'oranger de mars. Dans la grande demeure de la rue Sainte-Berthe, je m'éveillais le premier. La fenêtre de ma chambre ouvrait sur le jardin. Le mobilier arborait une laideur qui peu à peu m'était devenue chère. Je couchais dans une espèce de lit d'hôpital, flanqué d'une table de chevet en tube d'aluminium, avec un casier contenant un pot de chambre émaillé, dont sans nul doute l'aspect clinique était destiné à me faire honte. Mes parents légitimes ne m'ont jamais épargné, que dis-je. Ils m'ont ménagé les avanies qui durcissent le cœur et préparent aux rugueuses réalités de l'existence.